En fait, j'arrive pas à les voir correctement. C'est ça, oui, daltonien. Mon père l'était aussi. Je le suis aussi. Vraiment? Oui. Ça fait partie des ressemblances des frères jumeaux? Oui, on dirait bien. Ah! Et ta main, elle est comme la mienne? Mais tu ne connais pas les mains de Paco? Non, mais c'est parce qu'Alfonso, il m'a dit que j'avais les mêmes mains que Paco. Fais voir. Eh, regarde ça! On a exactement les mêmes mains! Fais voir tes pieds! Alors... Ils sont identiques! C'est évident que tu es le fils de Paco. Tu sais, Apollo, j'aime... Depuis que je vis ici avec toi, j'ai souvent l'impression que c'est toi, mon père. J'arrête pas d'imaginer comment il serait s'il était en vie. J'imagine qu'on jouerait aussi dans le jardin, on s'amuserait, on parlerait de tout. Et toi, t'es exactement comme j'imaginais mon père. C'est l'heure. Prends tes affaires, on y va. Qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Non. Non, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. C'est qu'on s'émotionne. Oh my god, sortez les mouchoirs. Oh my god, où est le mien? Ah ouais. Oh my god, c'est qu'on s'émotionne. Apollo pleure. Oh my god. Il est en train de pleurer. C'est tellement mignon, on va dire. Tu pleures? Non. Non, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. J'ai gagné une famille. Et complète. J'ai tout, une femme, un enfant. Et pour toi, ça fait trop. C'est tellement joli. J'ai toujours rêvé de fonder une famille. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les amis. De retour avec une nouvelle vidéo. Oh my god, vous avez vu la séquence pleine d'émotions d'Apollo. Lorsque Ra lui dit, depuis qu'ils vivent ensemble, il a l'impression qu'il est son père. Ra est le sixième sens. Il a l'impression qu'il est son père. Bon, pas que lui sait. Là, c'est son fils. Ray, qui n'était pas emballé à venir vivre à la cabane, là, il fait une déclaration d'amour à Apollo, parce que Ray dit à Apollo en tant qu'Apollo, mais il lui sort des phrases, il lui dit déjà, il a l'impression que c'est son père. En fait, c'est vraiment une déclaration d'amour de Ray. Là, il fait comprendre à Apollo, il le considère comme père en fait, comme son papa. Et là, Apollo, qui sait que cette déclaration vient de son fils, évidemment, il est touché. Apollo pleure. C'est la première fois qu'on voit dans la série Apollo qui pleure après les propos de Ray. Après, on aura il y aura d'autres séquences qui viendront plus tard, mais pas maintenant. Mais là, en tout cas, c'est la première séquence qu'on voit Apollo qui est touché après les propos de Ray. Apollo pleure vraiment. On voit... Il est vraiment émotif. Paco pense à beaucoup de choses. Lorsque Preta lui dit, est-ce que, voilà, le fait qu'il ait un fils, une famille recomposée, est-ce que c'est trop pour lui? Il dit non. Il dit que c'est son rêve. Il a toujours voulu avoir une femme et un enfant. Et de quelle manière en plus? Oh my God. Paco a eu un enfant, une femme, sans effort, on va dire. Il est arrivé comme ça, bim, à l'âge de 9 ans, il a tout là, il a un foyer, donc il sait. Mais franchement, on ne va pas se mentir, Apollo, il est quand même dur. Oh my God, là, son fils, il est vraiment triste. Ray, la perte de son père, Paco, il est vraiment brisé. Mais comme c'est un enfant fort, on ne peut pas le savoir. Donc là, s'il dit Apollo, il le considère comme son père, c'est parce que, voilà, déjà, il dit que non, Alfonso... Dans d'autres épisodes, hein, elle a toujours dit que Alfonso, il a toujours considéré comme son père, Philippe aussi, et Ligne aussi. C'est parce que Ray cherche une figure paternelle. Donc là, il a cette deuxième figure paternelle avec laquelle ils vivent sous le même toit. C'est d'abord Philippe, ça n'a pas marché. Et donc là, c'est Apollo. C'est la première fois qu'il fait une déclaration d'amour. Il n'a jamais fait ces déclarations d'amour à Philippe, pourtant. Avec Philippe, ils sont restés quand même pendant un certain moment. Philippe les a aidés depuis le premier jour où Preta a mis ses pieds au domicile d'Alfonso. Philippe était là. Mais Ray n'a jamais eu ce discours envers Philippe. Il l'a pour la première fois envers Apollo. Il n'était pas emballé déjà.
Au fait qu'ils viennent vivre à la cabane. Et là, il sort ce discours-là. Mais vraiment, c'est le choc pour Apollo. Franchement, Apollo, quand même, il a un cœur vraiment, vraiment dur. Mais bon, dans son cas, c'est quand même compliqué aussi. Après tout ce mensonge, venir dire que non, salut, moi, c'est Paco, je suis ton père. Et depuis toujours, on vit sous le même toit. Donc là, Apollo, il est rempli d'émotions. Alors, dans cet épisode-là, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Moa qui a demandé les excuses à Preta. Franchement, Moa, elle est classe hein, quand même. Elle qui s'est fait larguer de cette manière. Là, elle n'a jamais dit à Apollo qu'elle avait surpris en train d'embrasser Preta. Donc, Moa sait que non, Apollo a toujours aimé Preta. Ça, c'est indéniable. Donc, Moa, normalement, elle doit être blessée dans le sens, bon, elle a fréquenté un homme pendant un long moment et cet homme-là a toujours aimé une autre femme. Et cet homme-là, bon, après, de son côté, elle va dire c'était un mytho, mais du côté de Paco, il n'a jamais oublié la femme de sa vie. Mais Moa, quand même, qui était blessée, vous avez vu, les derniers épisodes, Moa était vraiment jalouse, mais en allant voir Preta et s'est excusée pour l'avoir éloignée d'Apollo, Moa a compris que Preta et Apollo s'aiment énormément, donc pour elle, elle est obligée de mettre fin à leur relation pour les laisser vivre ensemble. D'ailleurs, vous vous rappelez, c'est Moa qui a mis fin à leur relation. Donc Moa est allée demander pardon à Preta en cuisine. Moi, j'ai trouvé ça classe. Voilà. Donc Moa, c'est un personnage que je déteste pas. Pourquoi? Parce que vraiment, son personnage du début jusqu'à la fin, c'est pas un personnage qu'on peut vraiment détester quand on compare à Barbara. Donc là, elle est allée demander pardon. Et en plus, en demandant pardon, elle quitte la cuisine sans dire toutefois à Preta que Apollo, c'est pas con. Elle essaie un peu de lâcher un truc pour mettre Preta sur les indices lorsqu'elle lui dit que il y a des choses qu'elle doit découvrir d'Apollo. Mais ça s'arrête là. Et après, elle embrouille la situation et elle quitte les lieux. Donc moi, j'ai trouvé Moa classe. Voilà, Paco. Avec Paco, c'est terminé, mais voilà, elle quitte la cuisine de Preta sans lui balancer en fait que Apollo, c'est Paco. Alors, il y a une autre scène de l'épisode 131, moi, qui m'a fait rire. Alors, je ne sais pas si vous, ça sera le cas, c'est la scène de Tony lorsqu'il va voir Borgia à l'hôtel. Je suis vraiment mort de rire. En fait, Tony arrive à l'hôtel. Tony, il est sûr de son coup parce qu'il sait qu'il a des photos de Borgia. Vous avez vu, Tony, depuis plusieurs moments, il est en train de filer Borgia avec son amant. Bon, Borgia qui est censé être marié à une femme qui a un enfant, il est en train de fricoter à l'hôtel avec un homme. Donc, Tony a des photos de son idylle avec son gars. Donc, il arrive à l'hôtel. Tony n'est pas en colère. Il ne pète pas les plans. Il ne dit pas à Borgia, non, tu dois me donner le courrier que j'attends, le courrier que tu attends, tu dois me le donner. Non, Tony, il arrive en mode détente, il est en train de faire des blagues. Après, moi, ce que j'aime, c'est Tony. En fait, il a un humour qui est souvent gestuel. C'est vrai, parfois, c'est accompagné avec des mots, mais c'est souvent gestuel. Moi, je me reconnais totalement dans Tony. Bon, attention, pas dans le personnage de Tony. Oh my God, il faut différencier. Pas le personnage psychopathe de Tony. Je parle des gestes parce que moi je suis une personne qui parle souvent avec des mains, avec des yeux. Donc Tony, il a ces gestuels-là. Alors je vais vous mettre la séquence, j'espère qu'elle va passer. Donc Tony, lorsqu'il quitte l'hôtel, il fait un humour avec des mains, avec des yeux. Moi je suis mort de rire parce que je me reconnais dans ces gestuels-là en fait. Alors après, est-ce que ça sera le cas pour vous? Alors moi j'ai trouvé la séquence très drôle. Alors, je vous mets à la séquence et on se retrouve juste après. Il ne m'invite pas à entrer, à prendre un petit whisky. Excuse de vous interrompre au mauvais moment. Sors de suite ou j'appelle la sécurité. Pardon, j'ai. Enfin, j'étais seulement venu te montrer ça. Et regarde. Entre chez toi. Oh, rien de méchant, tu vas voir. Je sais que tu vas bientôt recevoir un courrier. Je veux qu'il entre en ma possession. Comment? Je suis quelqu'un d'honnête, je ne ferai jamais un truc pareil. Tu devrais dire ça à ta femme quand elle aura vu les photos. Quoi, elles ne te plaisent pas? Moi, j'ai adoré ces photos. Du coup, j'en ai fait des copies cachées en lieu sûr. Je suis sûr qu'on en reparlera.
Bon, à bientôt. Alors, est-ce que vous avez trouvé la séquence drôle? Je sais pas, moi si. Alphonse et Germaine. Alors ça, je voulais évoquer cette scène-là. Pourquoi? Parce que moi, cette scène-là, franchement, je suis toujours mal à l'aise. Quand je vois Alphonse et Germaine en train de discuter tendrement, je suis comme ça. Mais... Oh my God. Oh my God. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Franchement, jusqu'à présent, je n'ai jamais vraiment regardé une scène d'Alphonse et Germaine qui discutent comme ça. Jusqu'à la fin. Après, pour les besoins de résumé, je suis obligée. Mais quand c'est comme ça, parfois j'entends seulement, je regarde pas. Je trouve ça un peu malaisant. Mais moi, en fait, quand je vois Alphonse et Germaine, j'ai l'impression de voir mes parents, en fait. C'est un peu malaisant, en fait. En train de lover là. Oh my God, je suis là. Oh non, non, mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'est malaisant. Mais bon, je vais vous mettre la scène. Encore une fois, j'espère que ça a passé. Mais là, Alfonso, je sais pas pourquoi il évoque la mort. Tout d'un coup, il parle de testament. Bon, pas tout d'un coup. Depuis longtemps, il parle de l'héritage. Rai et Octavio sont ses héritiers. Là, Apollo, Germaine a refusé. Mais Germaine ne veut pas entendre Alfonso parler de du testament. Elle ne veut pas entendre parler, donc... Elle le dit à Alfonso de faire les choses dans les normes, comme ça, il n'y a pas de surprise, comme ça, Octavio, parce que si Alfonso, par exemple, décède, Octavio se retrouve seul. Et vous êtes sûr déjà, donc on le sait déjà, Borgia va suivre la demande de Tony, sinon il va se retrouver dans la une de la presse, lui et son amant. Sa famille, sa femme, tout le monde sera au courant, donc il est obligé. Alors, est-ce que Tony va prendre le contrôle de l'entreprise? Ça, je sais pas. Je sais, mais je vous en dis pas plus. Voilà. Mais là, déjà, Tony a frappé fort. Il a fait un gros coup là. Et là, ça va déterminer la suite de la série. Alors, la série, franchement, le piment, il était au maximum. Moi, la dernière scène, Barbara... qui est avec Apollo, Apollo qui est en train d'allumer Barbara, parce que Apollo, il a son truc à faire, mais est-ce que Preta va bien le prendre? Parce que Preta, je ou pas, Preta ne veut pas que Apollo se rapproche de Barbara. Est-ce que Apollo, là, qui est en train de manipuler Barbara, est-ce que ça va pas se terminer par une histoire d'amour, même si ça prend pas du temps, mais quand même une petite histoire d'amour? J'en dis pas plus. Mais voilà, Preta, elle va câbler lorsqu'elle verra tout ça. Mais bon, la pauvre, elle est obligée de supporter, franchement. Mais bon, donc là, Barbara, la scène où vraiment Barbara, franchement, Tony qui était là en fait, parce que Barbara et Tony, vous savez, leur coup foireux, etc., tout leur plan, il est fort chez Barbara. Et là, tout d'un coup, Barbara ne veut pas laisser Tony parler du plan de Borgia. Parce que Barbara sait qu'il y a Apollo qui est là. Donc en plus, Tony, lui, il ne se doute de rien. Il est en train de parler. Non mais Barbara, j'ai vu Borgia, le plan il en place. Comme ça, on est complice. Et donc Tony est en train de beaucoup parler là. Barbara est sous pression parce qu'elle sait Apollo est là. Alors qu'elle, elle se fait passer du côté d'Apollo comme Tony qui le met sous pression. Chose qui est vraie. Sous pression pour autre chose, mais pas ça. Donc là, lorsque Tony est en train de beaucoup parler, Barbara est sous pression. Elle veut virer Tony. Heureusement, Barbara a des pirouettes. Barbara, il y a des gardes d'Alphonse qui sont là. Donc, elle en profite pour dire à Tony de ne pas trop parler, de rentrer chez lui. Les gardes du corps d'Alphonse peuvent tout entendre. Mais est-ce que là, Tony, lui, il sent le truc? C'est un mafieux, Tony. Donc, Tony, il sent que non. Barbara, je sais pas pourquoi, elle palpite. Et là, il se met à fouiller la maison, comme vous l'avez vu. Mais comment ça va se terminer, cette histoire? Est-ce que je spoil ou pas? Oh my God! Est-ce que je vais spoiler? Non, je laisse la surprise. Mais ça sera pimenté, en fait. La scène qui suit là, l'épisode 132, ça sera pimenté. Les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure que vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!